à tous et à toutes, ici Gaëlle Kanyeba et vous regardez Passeport 1225 exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui au menu, nous allons pouvoir regarder 4 reportages des étudiants de la cité collégiale qui vont nous faire découvrir le sujet de leur reportage. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que peut-être pour vous qui nous regardez à la télévision, s'habiller consiste juste à couvrir sa nudité. Mais je vais vous surprendre aujourd'hui, sachez qu'il existe tout un art de la sape, des personnes qui sont voués pour ça, ils savent comment s'habiller. Aujourd'hui, sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir un groupe, on les appelle 3G. Salut les garçons. Salut. Vous allez super bien? Ouais, très bien. Bon, ça va super, mais vous allez juste vous présenter parce que moi j'ai du mal, là. Je vous comprends un peu là. Alors, moi c'est Josaphat Kennedy. Et moi c'est Jonathan Kennedy. Et Jetsadak Kennedy. Et vous êtes 3 frères, c'est ça? Hein? Justement. Alors, la SAP, ça s'appelle Société des ambianceurs. Des personnes élégantes. Des personnes élégantes. Et vous êtes super élégants, là. Merci. Alors, c'est quoi la SAP, en fait? Même si je viens de l'expliquer, mais comment se vit la SAP? Ok. La SAP, tout d'abord, est un art. C'est un art d'esprit, un art vestimentaire. Donc, quand tu fais la SAP, tu dois connaître que la SAP est vaste. Et la sape, c'est aussi une combinaison des couleurs, dans l'achevé et l'inachevé, à ne pas faire une fausse note. Le noir et blanc? Non, le noir et blanc, c'est juste qu'on est dans les chics et l'élégance, parce que c'est une émission télévisée, et puis en même temps, on doit montrer la gaieté. Donc le but de la sape, c'est apporter quelque chose, la gaieté. C'est pourquoi on dit société des ambianceurs et des personnes élégantes. Exactement. Donc en fait, on s'habille pour transmettre un message. Justement. Exactement. Ok, et donc vous, le message que vous transmettez, c'est que nous sommes élégants et ambianceurs. Oui, mais en même temps, on montre qu'on fait de l'art vestimentaire. De l'art vestimentaire. Oui. Ok, mais j'ai aussi suivi, quand je faisais des recherches pour préparer l'émission, que la SAP était considérée comme une religion et qu'il y avait 10 commandements de la SAP. Alors, c'est un art ou c'est une religion, là, au final? Okay. Ouais, exactement, dans la SAP, il y a la prière de la SAP, il y a aussi un peu plus de prières. Il y a la prière de la SAP? Oui, il y a la prière de la SAP. C'est des vieilles qui, la prière de la SAP? Ok, alors, c'est plus dans les domaines des sapeurs. Okay. Comme il y a des sapeurs qui un peu fait la prière, mais nous, okay. En fait, c'est un peu partagé aussi. Okay. Mais il y a la prière, mais nous, on ne fait pas plus la prière. Nous, on apporte juste les côtés qu'on aime, donc les côtés chic, les classes, et puis l'ambiance. Les côtés artistiques. Voilà. Ok, et comment on devient sapeur? Ok, pour devenir sapeur, c'est très, très, très difficile. Exactement. Parce qu'on peut dire on est sapeur aussi. On est sapeur, c'est inné. Ouais, okay. Parce que pour devenir sapeur, tu peux les devenir, okay. Mais ça va être très difficile parce que tu dois sacrifier, tu dois travailler, tu dois être vraiment, c'est-à-dire tu dois avoir la passion de la SAP. Okay. Nous, sapeurs, on est avec la passion de la SAP. Des 3 frères qui sont nés avec la même passion de la SAP. Justement, c'est pourquoi quand tu nous vois, c'est-à-dire quand tu nous vois, on est identique, presque identique. Ouais. C'est-à-dire on a quelque chose d'identique qu'on est né avec, okay. La passion de la SAP. Ok, mais ça vient de... d'un membre de votre famille, ça vous a été transmis comment? Parce que ça m'intrigue un peu là, ouais, tu sais. Ouais. On va laisser un peu votre frère parler là. Donc, si on essaie un peu de voir d'où ça vient, oui, ça peut venir d'un membre de notre famille, parce que si on regarde bien dans la famille, notre père était vraiment un très grand sapeur, il aimait bien s'habiller. Donc, définitivement, il a un peu influencé, à dire, notre enfance, de pouvoir nous inculquer dans ce domaine de la sape, dans ce domaine des bien s'habiller. Et c'est avec ça aussi qu'on a cultivé. Et vu que c'était inné, ça s'est transmis comme une passion à travers nous. Et voilà pourquoi on les vit jusqu'à aujourd'hui. Ok, mais la sape, j'ai vu, donc, c'est un peu d'origine congolaise. Elle a été récemment démocratisée à Paris, enfin, en France, on en parle beaucoup de la sape, grâce notamment à Maître Gims qui a chanté Sapé comme justement, jamais. Ouais. Et quand j'ai cherché, ici au Canada, il n'y a quasi pas de sapeurs. Et à Ottawa, on se retrouve avec un groupe de jeunes qui veulent nous faire véhiculer comment s'habiller. Mais ce n'est pas difficile de s'imposer comme ça. Vous ne paraissez pas comme des clowns un peu ici, là. Ça dépend des qui va nous qualifier. Okay. Mais normalement, nous, on ne se prend pas pour des clowns, mais on se prend pour des personnes élégantes. Mais quel est le regard des autres quand ils vous regardent? Ok, justement, pour être franc, les regards des autres, ils apprécient, ils trouvent quelque chose de nouveau qu'ils ne voient pas ici, comme vous dites, à la ville d'Ottawa. Ouais, c'est un peu ça. Et comment la SAP a changé votre vie? Ou comment ça influence votre vie? Alors, pour la SAP a plus influencé, c'est peut-être avec les regards. Okay. Vous savez, quand vous arrivez quelque part et vous êtes bien habillé, déjà, c'est quelque chose qui est positif. D'accord. Donc, ça apporte un peu la joie, comme on vient de dire, précisément. Et puis aussi les respects aussi. Quand tu es très bien habillé, c'est présentable. Donc, tu ne peux pas partir à un endroit comme au plateau, bien au travail, même à l'embauche, on demande d'être très bien habillé. Donc, justement. L'habillement, donc ça change beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup, même ça me donne la confiance en moi que je suis très bien habillé. Donc,
C'est plus dans ça aussi. Okay. Et puis, c'est aussi pour rajouter ce qu'il a dit, c'est une façon pour nous de s'exprimer. Okay. Parce que, comme on a bien dit, la SAP, c'est comme de l'art. Et dans la SAP, pour nous, c'est un moyen pour nous de communiquer un message, de véhiculer ce que nous pensons à l'intérieur de nous. Ok. Donc, c'est un message. Et comment je me suis habillée comme ça, je véhicule quoi? Non, là, j'ai véhiculé un message qui était dans la force. Parce que. On dit toujours dans la SAP, il y a les couleurs, et les couleurs parlent et chantent. C'est-à-dire, comme tu es habillé en noir, ça symbolise la force. Oh, il y a un code de couleur et tout là. Voilà, exactement. Ok, c'est intéressant. Donc, et vous, en blanc et en noir, ça symbolise quoi alors? Ça symbolise la paix et la force, mais en même temps, les chics et la noblesse. Franchement, je ne savais pas que s'habiller, c'était aussi mathématique. Franchement, parce que moi, quand je m'habille, je prends les vêtements les plus confortables et puis je sors. Hein. Je ne savais pas que... Mais du coup... Qu'est-ce que vous pouvez véhiculer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui vous regardent en tant que sapeur? Quel est votre message? Pour ma part, en tant que sapeur, je pourrais vous dire que s'habiller, c'est toujours important, importantissime. Exactement. Importantissime. Voilà. Ça aussi, c'est une spécificité à vous, là. Vous avez l'air d'inventer les mots. Il y a des termes et des terminologies. Parce que quand tu es bien habillé, tu as ce qu'on appelle quelque chose de mirobolante. C'est-à-dire, quand tu vois, on est content. Quand tu vois, on a envie de te parler, on a envie de s'approcher avec toi. Et quand on te voit... C'est-à-dire, on a envie de vivre, de rester, c'est-à-dire de rêver un peu avec la personne qui est bien habillée. Toujours parce qu'on dit, toujours quand tu es bien habillé, tu appelles. Mais du coup, vous n'avez vraiment pas répondu à ma question. La SAP, c'est un art ou c'est une religion? La SAP, c'est un art pour nous. C'est un art vestimentaire. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous attirer les foudres à cause de cette phrase-là? Justement, c'est un art vestimentaire. C'est un art vestimentaire. Dans les schématiques, dans l'artistique vestimentaire. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on fait, c'est plus... La SAP Fashion, donc. Mais ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir. Alors, restez avec nous. Après la pause, on va découvrir les 4 reportages des étudiants de la Cité collégiale, exclusivement sur Passeport 1225, sur les ondes de TV Rogers.